est-ce que tu as des questions avant de commencer? Ok, ben on va commencer. 20 secondes d'introduction, c'est déjà bien trop. Alors laisse-moi juste pour l'instant juste toucher tes deux oreilles. Hop, palper tes deux oreilles juste comme ça avec mes gants, d'accord? Donc ne fais rien, je vais commencer par ton oreille droite. Tu me dis si t'as une douleur.
faire un gros test sur ça pour vraiment voir s'il n'y a pas de soucis. Ah, je vais commencer par chuchoter 5 mots à droite, 5 mots à gauche, tranquillement, à une intensité de voix normale. Ça va être très simple. Ok, c'est parti, je vais chuchoter des fils à droite et à gauche. Tu vas juste répéter ce que je te dis, d'accord? Okay. Chose de l'autre côté. Ça va, comment ça va pour l'instant? Ok, très bien, il nous reste encore pas mal de travail à faire, pas mal de tests pour vraiment continuer à voir si tes oreilles vont bien. Je suis un peu en train d'analyser. Est-ce que tu me laisserais juste discuter quelques secondes avec chacune de tes deux oreilles pour leur demander comment s'est passé le test de chuchotement et s'il n'y a pas eu douleur? Ok, alors je vais commencer par ton oreille gauche pour qu'il n'y ait pas de jalousie. Laisse-moi juste discuter. Ok,
Je vais enlever mes gants. Hop. Beaucoup de bordel, hein, dans les bureaux voisins. Donc maintenant, on va faire le test très classique. Tu devines l'objet. Je vais prendre différents objets. On va faire trois objets à droite, trois objets à gauche. Peut-être une petite compétition entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Donc c'est parti. On va commencer par un objet à deviner à droite. Et ensuite, on fera un objet à deviner à gauche. Ok. Alors, quel est cet objet? Prends ton temps. Essaye d'être te donner une réponse la plus précise possible. Donc à droite. Essaye de me donner, voilà, comme j'ai dit, une réponse précise au maximum. C'était ces deux petits objets. Ok, on va faire la même chose. Je vais taper un objet sur l'un, sur l'autre. Difficulté très très compliquée pour l'oreille gauche. C'est parti. Un peu dur, je l'avoue, mais difficulté difficile aussi, c'est dur. Normal. Non, ce serait pas difficulté difficile. Ok, très bien. Alors, pour le côté droit et le côté gauche, ça va. On va faire trois derniers objets où je ferai le bruit au milieu. C'est parti. Alors, premier objet, c'est une série de plein d'objets à difficulté facile. C'est ça l'objet. J'ai un objet avec plusieurs parties dans l'objet. Je vais taper deux parties de cet objet. C'est parti. Si tu me le devines, celui-là, respect and politics. Allez, concentre-toi, ça peut être
Ça peut être un grand moment si tu arrives à me le sortir. Il n'y a pas une vidéo où j'ai pas envie de danser vraiment. Ok, c'était un petit fil, un petit chargeur. Ok. On va pouvoir enchaîner. Ok, très bien. Alors, les prochains tests qu'on va faire, je vais tester l'allergie de tes oreilles. Si tes oreilles sont allergiques à certaines substances ou certaines substances dans l'air qui font que ben, y a besoin d'une protection. Donc, je vais mettre un petit produit sur chacun de tes deux oreilles. On va attendre une petite minute et voir si ça réagit. Si ça réagit, c'est qu'il y a une allergie potentielle à certains produits de la vie quotidienne. Ok, c'est parti. Alors, laisse-moi juste mettre ce produit, je le prépare. En fait, c'est un produit où il y a plein de substances qu'on peut trouver dans la vie quotidienne qui peuvent être en contact avec les oreilles, notamment des choses qu'il y a dans l'air. On va voir si tu es allergique à une de ces choses-là qui peut expliquer le fait que tu es là aujourd'hui pour un examen des oreilles. Le fait que tu sois là. Ok, on va commencer par l'oreille droite, c'est parti. Il y aura 10 glouglous. Ok. Pardon, j'ai fait une rime, du coup j'ai fait le chant de la rime. Excuse-moi. Ok, donc on va regarder cette oreille. Laisse-moi juste mettre ma lumière. Juste pour regarder si l'oreille réagit à ça. Non plus. Ok, maintenant je vais regarder à l'intérieur de tes oreilles. Donc ne fais rien. Je vais regarder si l'allergie est à l'intérieur de tes oreilles. Donc je vais me décaler. Alors de ce côté-là, pour l'instant.
allergique à certaines substances de la vie quotidienne. Ça va, on est rassuré. Ok, on va pouvoir continuer le test. Il nous reste quelques petits tests de routine, de complémentarité à faire. T'as vu comment je me suis rattrapé et tout. Du coup, pour l'instant, je vais faire un petit test des réflexes au niveau de tes oreilles. Je vais tapoter légèrement tes oreilles avec un petit crayon. D'accord? Donc, je vais juste voir. Ah, déjà, tu vas me dire si t'as une douleur. Et je vais juste voir la réaction de tes oreilles. Donc, je vais juste tapoter comme ça. C'est parti. Ok, on va commencer par celle-ci. Sors pas le son de droite vient à droite, le son de gauche vient à droite, le son de droite vient à gauche, t'es censé fermer les yeux. Ok, très bien, maintenant je vais faire le même bruit mais très doucement, garde les yeux fermés. C'est bon, on va faire un dernier test aujourd'hui. C'est un autre test de chuchotement. J'ai vu que ça fonctionnait quand je te chuchotais des mots et que tu devais les répéter. Maintenant, on va voir à travers une conversation si tu arrives à bien discerner ce que je dis. Donc, je vais faire un petit monologue de quelques secondes à droite, un petit monologue de quelques secondes à gauche, un monologue en inaudible au milieu. Tu vas juste essayer de répéter un maximum que je dis. Je vais te raconter une petite histoire et tu vas essayer de répéter. Enfin, de distinguer le maximum de choses de cette histoire-là. Je vais chuchoter le plus doucement possible, ok? On commence à droite.
Ok, si tu as bien entendu cette histoire et reconnu, tu peux faire une énorme dédicace à René dans les commentaires. Je vais faire une autre petite histoire de l'autre côté. Ok. Alors, je vais te raconter aussi l'histoire de moi avec à nouveau des animaux. J'étais parti pour filmer justement en forêt. Enfin, c'est pas vraiment en forêt, c'était dans un genre de lac et voilà. Et je vois des canards. Mais c'était pas vraiment des canards, je crois que c'était des canards vraiment gros, tu vois. C'était peut-être des canards d'un autre continent, ils étaient énormes. Mais moi, j'ai pas peur des animaux, tu vois. Donc je vais vers eux, tu vois, je m'approche un petit peu pour faire une petite photo et aussi pourquoi pas les avoir dans la vidéo, ça aurait été une dinguerie. Je m'approche un petit peu, tu vois, et puis je commence à vraiment m'approcher d'eux. Ils étaient vraiment, il y avait un genre de chemin, tu vois, il y avait un lac et un chemin pour aller autour du lac. Et c'était au milieu du lac, donc je vais au milieu du lac, je m'approche d'eux. Sauf que là, je commence à m'approcher, je suis à les 10-15 mètres. Et là, il y a un des canards géants, parce que c'était vraiment des canards géants. Un des canards commence à me regarder, à me fixer. Alors moi, il faut savoir que je suis une personne très très fragile. Devant le danger, je perds mes moyens parce que je suis une personne très très fragile. Et du coup, ils se contactent avec le canard géant. Et je savais pas quoi faire parce que je me suis dit si je commence à aller dans l'autre sens, il va me courser. Et il est trop mignon, tu vois, je peux pas me battre avec un canard, tu vois. Et puis en plus il va me dégommer, tu vois, j'ai trop peur. Du coup, je suis parti dans le sens inverse, j'ai oublié la photo et je suis parti tout doucement dans l'autre sens. Voilà, histoire vraie. Voilà. Donc si t'as bien compris cette histoire, tu peux mettre hashtag like fragilité. Ok, bon je pense que tout va bien, on va pas faire une autre histoire au milieu. Je pense que tu as compris. Bon, ça va. Ok, bon, bah, tout ne va pas bien. Il y a une petite rivalité au niveau des oreilles, mais je pense que ça a aidé, globalement. Après ces deux histoires, je peux pas continuer sur une troisième histoire, tu vois. Donc, non, ça va. C'était un bel examen. On a eu des techniques un petit peu révolutionnaires, mais je pense que dans l'ensemble, ça a aidé. Je t'enverrai les résultats avec grand plaisir. Allez, je te souhaite un bon retour, je te fais de gros bisous. Surtout, sois poli et respectueux avec chacune de tes oreilles. Fais-les écouter seulement.